Bienvenidos, welcome. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire intitulé « Écoutez Dina Bélanger, quelle inspiration pour aujourd'hui ?» Je m'appelle Florence Pache-Guignard, je suis professeure adjointe à la faculté de théologie et de sciences religieuses à l'Université Laval à Québec. J'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cet événement autour de la figure de Dina Bélanger, aussi connue sous le nom de Sainte Cécile de Rome, une religieuse de Jésus-Marie née en 1897, il y a 125 ans. Ma collègue, la professeure Hélène Champagne, est la co-organisatrice de cet événement avec M. Louis-Martin Lantier, directeur du Centre Dina Bélanger à Québec, et avec Sœur Lourdes Vargas, conseillère provinciale pour les religieuses de Jésus-Marie. Merci Hélène pour cette belle opportunité d'animer cette rencontre. Nous devons commencer par quelques indications pratiques. Tout d'abord, vous aurez peut-être déjà remarqué qu'une traduction simultanée est disponible dans ce webinaire Zoom. Pour écouter la traduction en anglais ou en espagnol, il vous suffit de sélectionner le canal correspondant dans les options du webinaire Zoom en bas de l'écran. L'interprétation est assurée par Claudette Lemire à Lyon, Judith Pereira à Alicante, José Terrien à Bellechasse et Lourdes Vargas à Québec. Que nous remercions. Comme il s'agit d'un webinaire, vos caméras et vos micros vont rester fermés, mais il est possible d'interagir avec nous en utilisant le clavardage ou mieux encore l'option des questions et réponses dans Zoom si vous souhaitez poser des questions. Lors de notre préparation, Hélène Champagne m'a indiqué que les religieuses de Jésus-Marie ont des centres sur plusieurs continents. Nous nous réjouissons d'avoir plus de 170 inscriptions à ce webinaire et de vous voir si nombreuses avec nous ce matin, ou peut-être que pour vous, c'est déjà le soir. Dina Bélanger est une figure importante, non pas juste pour l'histoire religieuse du Québec, mais parce qu'elle a un rayonnement international. Notre programme débutera par des mots de bienvenue et de remerciement, puis nous entendrons quelques mots sur le contexte et les perspectives de cet événement. Ensuite, nous regarderons des entretiens filmés avec des religieuses de Jésus-Marie, dont Dina Bélanger avait rejoint le couvent à l'âge de 24 ans en 1921 et dans lequel elle va rester jusqu'à sa mort en 1929. Après ces témoignages, nous aurons un intermède musical et nous passerons ensuite à des présentations de trois panélistes du milieu universitaire qui échangeront leurs perspectives sur la vie et l'œuvre de Dina. Permettez-moi de l'appeler simplement Dina, car à force d'en avoir entendu parler et de lire sur elle ces dernières semaines, il me semble avoir gagné une forme de familiarité avec elle. Nous commençons donc par un mot de bienvenue de la part du professeur Guy Jobin, doyen de la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Alors, Sœur Françoise Barat, supérieure provinciale des religieuses de Jésus-Marie, M. Louis-Martin Lantier, Sœur Lourdes Vargas, professeur Hélène Champagne, qui est membre du comité d'organisation de cette demi-journée d'études, professeur Bouliane de la faculté de musique, Madame Pénélope Natacha Mavungu-Pemba, membre du panel, chers membres de la faculté de théologie et de sciences religieuses, distingués invités, chers amis, on y est arrivé au bout. Je vous salue et je vous souhaite la bienvenue à cette activité menée à la Faculté de théologie et de sciences religieuses en collaboration avec le Centre Dina Bélanger. Alors, une année importante de festivités s'ouvre aujourd'hui pour l'histoire de la vie religieuse, de la vie spirituelle et de la vie culturelle de la ville de Québec, du Québec et aussi d'ailleurs. Cette année consacrée à la personne et l'œuvre de Dina Bélanger nous rappellera non seulement une figure historique marquante pour l'Église de Québec et du Québec, mais elle sera aussi l'occasion de présenter l'héritage spirituel de cette jeune femme emportée par la maladie en 1929 à l'âge de 33 ans. Je me réjouis que l'Université Laval et la Faculté de théologie et de sciences religieuses soit associée à ces festivités par ce qu'elle sait faire de mieux,
soit de prendre le temps de la réflexion, de la recherche et le temps de la diffusion de cette réflexion et de cette recherche sur le legs de Mère Sainte-Cécile de Rome. Être à l'écoute de l'inspiration, à l'écoute du souffle, que peut-on discerner dans la vie et dans les écrits de Dina Bélanger? Que peut-on discerner de ce qui l'a porté, de ce qui l'a nourri tout au long de sa courte vie? Et en parallèle, comment l'esprit parle aux contemporains, à nous, à travers elle? Que pouvons-nous entendre? En quoi la vie de Dina Bélanger peut-elle nous rejoindre aujourd'hui? Ces questions et bien d'autres animent la quête de savoir sur la personne et l'œuvre de la bienheureuse Dina. Le monde universitaire n'a pas le monopole des réponses à ces questions, mais il y répond à sa façon propre, c'est-à-dire à partir d'une méthode rigoureuse et claire. Je me réjouis donc que l'on ait sollicité la faculté et l'université pour contribuer à une meilleure intelligence, du moins à une intelligence pour notre temps, de l'héritage de Dina Bélanger. Puisse justement que cette activité donne la piqûre de la recherche en musicologie, en théologie, en éthique sur la vie et l'œuvre de la bienheureuse Dina. Je remercie vivement les personnes qui ont collaboré à la planification et à la réalisation de cette activité qui lance les festivités de l'année Dina Bélanger. Et je souhaite que les échanges de ce matin soient nourriture pour l'esprit et qu'ils stimulent votre curiosité. Bonne activité à chacune et chacun. Nous donnons maintenant la parole à Sœur Françoise Barra, supérieure provinciale au Canada des religieuses de Jésus-Marie. Monsieur Guy Jobin, doyen de la faculté de théologie, Monsieur Louis-Martin Lantaigne, directeur du Centre Dina Bélanger à Québec, et les membres de son comité, Madame Hélène Champagne de la chaire de leadership en théologie spirituelle, représentant de la chaire Claire Bonenfant, chers consœurs de la Congrégation de Jésus-Marie, et vous tous et toutes, bonjour. Ce webinaire, organisé conjointement par la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, et le Centre Dina Bélanger, est la réalisation d'un rêve qui a surgi dès le début de la préparation des fêtes du 125e anniversaire de la naissance de Dina. Nous l'avons considéré prioritaire parmi toutes les suggestions qui nous ont été présentées à ce moment-là. Pourquoi? En voici quelques raisons. Femme, québécoise, musicienne, religieuse, Dina Bélanger est celle qui nous réunit aujourd'hui. Née il y a 125 ans, elle a réussi à intéresser aujourd'hui des représentants de divers horizons. La chaire de leadership en théologie spirituelle, la chaire Claire Bonenfant, femmes, culture et société, des panélistes provenant de divers secteurs de la culture, théologie, philosophie, musique, des religieuses de sa congrégation et d'autres congrégations, et ce, de partout dans le monde. Comment se fait-il que Dina, cette simple religieuse qui n'a vécu que 33 ans, puisse réunir tant de personnes différentes? Je crois que la raison est qu'il y a plusieurs femmes en Dina. En fait, elle est connue dans de nombreux pays du monde. Des pèlerins de différents pays viennent à son tombeau. Des gens de partout écrivent pour demander de la documentation ou lui confier des intentions de prière. Cependant, Dina n'est pas connue chez elle, à Québec. Et la richesse multiforme de sa personnalité est encore plus méconnue. De nombreuses personnes ont entendu parler d'elle comme bienheureuse ou mystique. Mais même là, la profondeur de ses écrits et leur portée universelle est peu comprise. Il semble donc que le rêve de faire connaître Dina sur la scène universitaire a déclenché un élan d'intérêt qu'on n'avait jamais connu auparavant.
Je considère cela comme un kairos, un moment particulièrement approprié pour révéler ce que Dieu peut apporter à nos contemporains du 21e siècle. Le titre du webinaire l'exprime d'ailleurs à merveille. Écoutez, Dina, quelle inspiration pour aujourd'hui? Oui, écoutons-la à travers la voix de nos trois panélistes afin de découvrir ou redécouvrir cette femme qui a quelque chose à dire à notre monde d'aujourd'hui. Oui, elle peut inspirer chacune et chacun de nous sur notre propre terrain. Ouvrons donc nos esprits et nos cœurs à ce que partageront nos panélistes. Bon avant-midi à toutes et tous et bon après-midi à ceux qui nous suivent de l'Europe, de l'Afrique ou de l'Asie. Nous écoutons maintenant le co-organisateur de cet événement, Monsieur Louis-Martin Lantier, qui est directeur du Centre Dina Bélanger à Québec. Alors bonjour à toutes et à tous. Le 30 avril prochain marquera le 125e anniversaire de naissance de Dina Bélanger. Ma nomination comme premier directeur laïque du Centre Dina Bélanger témoigne de la volonté des religieuses de Jésus-Marie de transmettre l'héritage de cette figure importante de l'Église de Québec et de trouver des façons nouvelles de mettre en valeur sa vie et ses écrits. Le Centre Dina Bélanger a débuté en 1990 dans la foulée du projet de béatification de Dina Bélanger. Son objectif est de faire connaître le message de cette jeune femme au destin si singulier. Trois décennies après sa béatification, Dina Bélanger demeure néanmoins méconnue dans sa patrie. Le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans cette volonté de trouver des moyens actuels de rejoindre nos contemporains et de leur présenter l'itinéraire spirituel de cette femme qui a vécu au 20e siècle. Il nous apparaît significatif que des universitaires réfléchissent sur les écrits de cette artiste religieuse et mystique, afin d'en faire ressortir des nouvelles perspectives. Merci. Il est temps de remercier également d'autres partenaires qui ont soutenu ce projet. Et nous aimerions remercier la chaire Claire Bonenfant, Femmes Savoir Société, la plaque tournante des études féministes à l'Université Laval, pour son appui à la diffusion de cet événement autour d'une femme importante de l'histoire du Québec. Et maintenant, la professeure Hélène Champagne et M. Louis-Martin Lantier vont reprendre la parole pour adresser d'autres remerciements et présenter plus en détail le contexte et les perspectives de cet événement en situant le travail du comité constitué pour cette occasion et de façon plus large pour explorer la vie et l'œuvre de Dina Bélanger. Alors bonjour à tous et toutes, ça nous fait plaisir d'être avec vous ce matin vraiment. En 2013, l'Université Laval inaugurait la chaire de leadership en enseignement en théologie spirituelle et spiritualité, ici à la Faculté de théologie et de sciences religieuses. Orientée sur l'enseignement, les orientations de la chaire visent à soutenir et à développer une meilleure compréhension de l'expérience spirituelle et de ses expressions dans les grandes traditions religieuses, mais en particulier dans le christianisme. En d'autres mots, l'enseignement visé par cette chaire concerne nos manières d'interpréter les expériences spirituelles contemporaines grâce à l'éclairage particulier que peuvent en donner, entre autres, les maîtres spirituels chrétiens. Les cours, les formations, les activités de diffusion de la chaire, indissociables des activités de recherche, explorent notamment les textes des grands maîtres spirituels en prêtant une attention particulière aux écrits spirituels des gens d'ici. On a le privilège aujourd'hui d'avoir justement l'une de ces grandes figures. Nous intéresser à ce que l'autobiographie de Dina Bélanger peut offrir comme ressource, comme piste d'interprétation pour l'expérience spirituelle contemporaine, correspond bien à la mission de la chaire. Dina, aussi connue sous le nom de Marie Sainte-Cécile de Rome, inspire déjà un grand nombre de croyants et croyantes à travers le monde. Quel héritage nous laisse-t-elle pour mieux comprendre, pour mieux vivre notre expérience spirituelle? Le contexte du 125e anniversaire, les attentes de notre comité sont les suivantes. Dans le contexte sécularisé de la société québécoise et de l'Occident en général,
Comment trouver une approche et un discours adapté pour faire connaître une figure telle que Dina Bélanger? Telle fut la question posée par le Centre Dina Bélanger et les religieuses de Jésus-Marie à l'occasion du 125e anniversaire de naissance de Dina. Pour trouver des éléments de réponse à cette question, nous avons cru bon de donner la parole à des intellectuels de différentes expertises de la sphère universitaire. Fernand Dumont parle de réactualiser son héritage, de le rendre accessible pour qui que ce soit pour aujourd'hui. Or, aujourd'hui comme hier, nous sommes confrontés aux grandes questions de l'origine, de la souffrance, de la mort. Comme le rappelle Frédéric Lenoir, comme Dina, y a-t-elle fait face? L'expérience spirituelle de Dina Bélanger s'inscrit à travers une quête d'identité et de sens. Pour elle, l'expérience avec un grand E est au cœur de son message. Dina, l'artiste, écoute, observe, ressent et touche un mystère qui la dépasse. Ce mystère, elle ne peut le garder pour elle et elle nous le partage, telle une confidence, avec ses propres mots. D'ailleurs, le mot « amour » revient plus de 700 fois dans ses écrits. C'est sans doute la raison pour laquelle Dina Bélanger donne à son autobiographie le titre « Mon chant d'amour ». À part l'autobiographie de Dina, publiée en 1955, environ 30 ans après sa mort, quelques écrits théologiques ont précédé sa béatification par Jean-Paul II en 1993. Depuis, les publications académiques qui s'intéressent à elle sont presque inexistantes, selon ce que j'ai pu repérer, mais je n'ai pas fini de chercher. En somme, la place est libre pour explorer plus avant son héritage. Pour cela, nous disposons d'un riche témoignage de sa vie intérieure, sa biographie, de quelques-unes de ses compositions musicales, et ça, c'est vraiment unique et très précieux, et aussi d'un grand nombre de documents d'archives, c'est-à-dire oui et non, puisque ces documents ont été détruits par un incendie en 1983. Selon le temps dont nous disposions pour préparer ce webinaire, nous avons choisi de nous concentrer sur les écrits de Dina, de sa plume, donc en particulier l'autobiographie et ses œuvres musicales. Vous allez en entendre parler un petit peu plus tout à l'heure. Le lecteur, la lectrice de Dina, si vous souhaitez lire ou peut-être vous avez déjà lu de ses textes, découvrez rapidement plusieurs pistes qu'il serait nécessaire de creuser pour mieux saisir la portée de son message. Ce n'est pas un texte, qui s'ouvre d'emblée ou nécessairement très facile. Il demande de s'y arrêter vraiment. En particulier parce que le contexte historique et culturel de son époque, de son milieu, sont très spécifiques. L'influence des arts aussi caractérise son œuvre. Les traits sociaux du Québec à son époque, alors j'y vais à gauche, à droite. L'environnement spirituel et religieux qui fut le sien est très différent, évidemment, de ce que nous connaissons aujourd'hui. Et les influences de ces courants spirituels de son époque sur sa propre vie spirituelle, qui est aussi très personnelle, sont aussi à explorer. Je n'ai pas terminé. Les études féministes peuvent profiter aussi de cette figure fantastique. C'est une jeune femme audacieuse qui quitte Québec pour aller vivre à New York, comme artiste, comme étudiante aussi, mais comme artiste, concertiste. Elle fut enseignante, poète à ses heures. Alors, comment la situer parmi les grandes figures spirituelles ou les grandes figures du Québec de son temps? Comment aborder sa spiritualité en regard des deux grandes Thérèse? Alors, à qui on fait souvent référence quand on parle de Dina, donc Thérèse d'Avila et Thérèse de Lisieux? Quelle est son originalité propre selon ses diverses perspectives? Alors, sa vie témoigne d'une riche personnalité, vous l'aurez deviné. Son rayonnement atteste de la vitalité de ce qu'elle inspire et la table est mise pour une exploration multidisciplinaire de ce qu'elle nous lègue. Alors, pour ce faire, quelques repères biographiques sont utiles. Je laisse la parole à Louis Martin. Merci, Hélène. Dina Bélanger naît en 1897 dans un monde qui est en pleine transformation. Cette période est marquée par les revendications des femmes à l'éducation et au droit de vote. Très tôt, Dina manifeste un attrait pour le religieux. Son identité de croyante se construit d'abord par une expérience spirituelle personnelle.
À l'âge de 8 ans, elle débute le piano. Joseph Arthur Bernier, organiste, constate son talent musical et la prend sous son aile. De 1916 à 1918, Dina poursuit ses études à l'Institut musical des arts à New York, qui deviendra le futur conservatoire très connu, Juilliard School. De 1918 à 1921, c'est la période des concerts bénéfices. Sa quête de sens se précise et elle songe à devenir religieuse. Le 11 août 1921, Dina fait son entrée au couvent de Jésus-Marie à Sillery. Elle reçoit le nom de Marie Sainte Cécile de Rome. Sa supérieure ne tarde pas à mesurer la profondeur de sa vie intérieure. Elle lui demande d'écrire sa vie. Jeune religieuse, Dina est atteinte de scarlatine, puis de tuberculose. Elle meurt à l'âge de seulement 32 ans. À travers ses écrits, Dina nous livre le témoignage intime et personnel d'une femme ardente et prise de Dieu. L'autobiographie de Dina se divise en deux grandes parties. Dans la première partie, elle relie son parcours spirituel depuis son enfance et jusqu'à l'époque de la rédaction, donc jusqu'à son présent. La deuxième partie prend plutôt la forme d'un journal intime où Dina raconte ses réflexions, ses méditations, son dialogue intérieur avec le Christ. Le langage religieux qu'elle utilise appartient bien sûr à son époque, même si l'expérience et l'expression de Dina demeurent uniques. Notre défi consiste donc aujourd'hui non pas à nous restreindre à comprendre ce que Dina exprime, mais à en découvrir ce que ce témoignage recèle d'éclairage et d'inspiration. Non pas seulement de décoder le langage, mais bien plus à en voir la portée, le dynamisme. Qu'est-ce que ça peut nous inspirer? Nous l'avons mentionné. De sorte qu'un pont puisse se tisser entre le passé et le présent. Et pour ce faire, nous avons bénéficié, c'est une grande joie, nous avons bénéficié de l'aide de religieuses de la communauté de Jésus-Marie. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Merci Hélène et Louis-Martin d'avoir situé ce travail qui nous permet de mieux comprendre la pertinence de cette demi-journée d'études et aussi toutes les perspectives qu'il reste à explorer. J'insiste au passage sur le fait que tout ceci ferait une belle matière pour un mémoire de maîtrise ou même pour une thèse si des étudiantes ou étudiants qui nous écoutent s'y intéressent. Je donne maintenant la parole à une autre membre du comité organisateur, Sœur Lourdes Vargas, qui est religieuse de Jésus-Marie et conseillère provinciale. Sœur Lourdes va nous présenter la démarche entreprise pour récolter directement auprès des religieuses plus âgées leurs témoignages. Puis nous allons visionner des extraits choisis de ces entretiens avec elles. Alors, vous savez, parfois, lorsqu'on parle de Dina, on pense que c'est de vieux temps. Et en réalité, si on y pense, elle est plus proche qu'elle est loin de nous. Mais moi, je me souviens d'avoir rencontré particulièrement deux sœurs, Sœur Cécile Kirouac, qui était étudiante et élève de Dina au piano, et Sœur Alma Cable, qui l'a connue à l'infirmerie. C'est ainsi qu'avec le comité, nous avons pensé à cette possibilité de pouvoir recueillir les témoignages des religieuses proche du temps de Dina. Certainement, le plus proche indice était celles qui ont eu la même maîtresse de novice que Dina, Mère Sainte-Élisabeth. La liste de celles-ci est arrivée assez vite dans nos mains. Et voilà, la démarche est commencée. Nous avons choisi d'être très brefs dans ce que nous avons dit aux religieuses avant de l'entrevue, de manière qu'elles puissent être spontanées dans leurs commentaires. Nous aimerions vous entendre sur la vie religieuse à l'époque de vos premières années en communauté. Une adaptation de l'approche phénoménologique, les questions sont très ouvertes, il s'agit surtout de faire parler la personne sur les phénomènes, sur cette expérience dans des questions. En gros, la question principale qui est importante et les sous-questions arrivent simplement. Par exemple, une simple question. Une journée typique au noviciat s'est passée comment
comment c'était la vie communautaire? Et à partir de cette première question, les dialogues s'installent et leurs souvenirs montent tranquillement. Alors, comment nous avons donc préparé ces rencontres et comment ça s'est passé? Premier contact, ça fut par email, bien sûr, téléphone. J'ai communiqué avec leur supérieur pour expliquer l'objectif de pourquoi. Après une rencontre présentielle, il y a eu lieu 3 jours avant l'enregistrement. Et voilà, le grand jour de l'enregistrement est arrivé. Nous l'avons fait à la chapelle, côté du tombeau de Dina. Un beau clin d'œil de Dina, n'est-ce pas? Cette journée s'est faite tellement riche, aussi pour moi. D'une part, mieux comprendre le contexte dans lequel Dina a vécu, et aussi un voyage dans le temps et l'espace, comme comprendre aussi la vie religieuse du temps et la vocation religieuse. Elle s'était un peu nerveuse. Qu'est-ce que j'ai à dire qui peut être si importante? Il me semble que c'est mon quotidien, rien de particulier. Une autre a dit, je me souviens de rien, ça fait longtemps, 70 ans. Au moment de l'entrevue, elles étaient plus sereines, tranquilles. Une ou deux sont même arrivées avec leur cahier de notes et je leur ai dit, non, non, pas question, vous allez parler avec votre cœur, les souvenirs. Je tiens énormément à remercier chacune, disponible, cœur ouvert. Il faut dire qu'elles sont 10, 70 et 90 ans et plus. Alors, c'est monté un peu loin dans leur vie. Mais elles ont compris, en toute humilité aussi, que leur souvenir, c'est une grande richesse pour nous, pour la congrégation et surtout pour notre histoire, le présent et le demain. Aujourd'hui, nous allons avoir un avant-goût, car d'autres vidéos seront disponibles sur le site de Brie. Merci. Bon visionnement. Ça fait au moins 70 ans que je suis religieuse. Et à l'époque où je suis entrée au noviciat, ce n'était pas tellement rigide. C'était vraiment une vie simple que nous menions, avec, comme dans toute bonne organisation, il y a de l'ordre. C'est la cloche qui nous invitait aux différentes activités. Religieuse, bien, ça fait 72 ans. J'ai fait profession en 1950, ça fait 72 ans. Oui, c'est toute une vie, c'est beaucoup, beaucoup. Parce qu'on a vu ça, c'était silence. Ça, c'était un gros pas à faire, parce qu'on était habitué au bruit dans notre famille et tout. Et puis, c'était le silence, beaucoup de silence. Je suis entrée en 49. Oui, on a vu ça, c'était au plan. Oh, c'était au-dessus de l'escalier, quand on descendait l'escalier, c'était écrit en haut. Si tu commences, commence parfaitement. Alors, ça voulait dire que les consignes qu'on venait, le règlement à suivre, bien, on suivait bien. Quand nous quittions notre famille, nous la quittions pour toujours. Nous ne retournions pas dans nos familles. Pour moi, j'étais portée par ce désir d'être religieuse. Donc, le départ dans ma famille, moi, ça n'a pas été terrible. Mais quand je pense à mes parents, et quand je pense que 5 ans après moi, ma sœur Germaine a fait la même démarche, pour les parents, il y avait sûrement une grande joie. Mes parents ne se sont pas objectés à ce que nous entrions à Jésus-Marie, même si on partait pour toujours. Mais par après, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'étais un petit peu plus mûre, j'ai compris ce que ça pouvait être pour eux. Bon, la vie communautaire était bien établie avec une vie de prière, vie de travail, vie de récréation et aussi le repos. J'ai été 11 ans chez les Ursulines à Shawinigan. J'ai fait mes 11 années là, de primaire et secondaire.
Puis, après ça, j'ai fait 3 ans de collège à Jésus-Marie, à Québec, ici. Mais je n'étais pas intéressée parce que les Ursulines, elles étaient cloîtrées et elles allaient au parloir derrière des grilles. Les parents allaient voir derrière des grilles. Moi, ça, ça ne m'intéressait pas du tout. Il fallait une lettre de notre curé pour dire qu'on était une bonne personne. Puis il y avait un certificat médical, c'était exigé aussi. Puis quand on travaillait, on était à la salle de couture, par exemple. C'était une salle où plusieurs travaillaient. C'est là qu'on faisait de la couture. On faisait des scapulaires verts. Ensuite, une était responsable de faire le repassage des tuniques des élèves. Ça, c'était son rôle. Quand on entre, on est postulant. Ensuite, on est novice canonique. Ensuite, novice. Pendant mon postulat, j'ai eu la chance de pouvoir avoir de l'enseignement. Pas juste des exercices de piété, pas juste des petits services communautaires. J'ai pu enseigner. J'avais enseigné 2 ans, donc je continuais. J'ai pu enseigner. Pendant mon année, ce qu'on appelle le noviciat canonique, on n'avait pas de rapport avec l'extérieur. À ce moment de formation, je crois, bon, approximativement, je peux dire que nous étions 25 à peu près. 25. Oui, avec les postulantes. Postulantes et novices. Nous étions ensemble. Jésus-Marie, les religieux se promenaient tout le temps dans le grand corridor après aux récréations en parlant, en ayant beaucoup de plaisir. Pendant 3 ans, je les ai vus et j'ai dit, bien, c'est Jésus-Marie. On avait des moments de récréation. Puis on s'entendait bien parce que, au fond, les novices, toutes celles qui étaient là, répondaient à eux-mêmes appel du Seigneur. Puis avaient le même désir de se donner. Puis de faire aimer Jésus et Marie. Alors, chacune avait une tâche particulière. Moi, j'ai travaillé ce que j'appelle à la dépense, aller pour les nourritures, aider, passer les desserts chaque jour, couper le beurre par petits carreaux. C'était des activités sur l'affaire dans le temps. Il y avait la télévision qui commençait. Il y avait ce qu'on appelait la laiterie Laval, qui organisait des émissions de télévision, des questionnaires pour les jeunes. Ça s'appelait les jeunes talents. Du mois de janvier jusqu'au mois de juin, avec mes élèves, j'allais à la télévision pour ce questionnaire. Nous avons gagné jusqu'au mois de juin. La laiterie Laval a organisé un goûter parce qu'on avait gagné. Nous, comme semi-cloîtrés, nous n'avions pas la permission de manger avec les personnes du monde. Alors, je ne connaissais pas beaucoup la vie religieuse comme telle. Alors, c'était tout du nouveau. Je me souviens, une fois, on était entrés deux ensemble du collège et elle avait découvert un livre dans lequel il fallait garder silence. Alors, ça avait été toute une découverte. C'était silence toute la journée, sauf au moment des récréations. Les serveurs nous distribuaient différentes choses, puis on disait merci. Vous ne pouvez pas? Non, nous ne pouvons pas. Quand on se rencontrait, on se saluait en disant la devise, « Loué soit à jamais Jésus et Marie », et l'autre répondait « Amen ». Je n'avais jamais pensé devenir une religieuse toute ma vie avant ça. On faisait nos habits. Ensuite, une autre chose qu'on faisait aussi, on marquait notre linge. On a tout marqué notre linge en point de croix. Chacune devait préparer son trousseau. Dans mon cœur, je me disais, je ne comprends pas, mais j'étais bien quand même. J'ai pas eu de rancœur envers ma communauté parce que je n'avais pas cette possibilité de partager qui nous était présenté. Quand on était novice, on n'avait pas le droit de parler aux prophètes. Il fallait une permission pour ne pas avoir différentes directions. C'était la maîtresse des novices, en fait, qui assumait la direction de notre vie pendant ce temps-là. J'étais heureuse dans ça, oui. Il y a des dortoirs qui étaient... On avait un entouré de rideaux, là, 3 rideaux. Ça, c'était mon premier. Le deuxième,
Je pense qu'il y avait, juste un rideau. C'est des murs en bois. Ça, où j'étais habituée, j'avais campé chez les guides, couché dans les tentes. Oh, ça ne me dérange pas. Je coucherais encore comme ça, puis ça ne me dérangerait absolument pas. Mais toujours, il n'y avait pas de porte. C'était un rideau qui fermait. Oui. Très, très simple. Un lit. Puis une petite table pour la toilette à côté. Mais on n'allait pas là le jour. Le jour, on demeurait toujours dans la communauté. Même pour aller au dortoir dans le jour, il fallait une permission. On était jeunes à ce moment-là. On n'avait pas besoin de faire de sieste. Le postulat, on avait une robe noire, mais on avait une mantille. Il y avait le voile blanc pour les novices, puis le voile noir quand on faisait profession. Je n'ai pas regretté une journée, une seconde, je n'ai jamais regretté. Moi, j'ai toujours été heureuse à Jésus-Marie, je le suis encore. Merci pour ces témoignages qui ajoutent encore une nouvelle dimension à ce qu'on peut savoir de Dina Bélanger et du contexte religieux et communautaire dans lequel elle s'inscrit. Nous donnons la parole maintenant à trois panélistes que je présenterai quand elles prendront la parole. Il s'agit de Pénélope Natacha Mavungu Pemba, d'Hélène Champagne et de Sandria Boulian qui parleront tour à tour environ 10 minutes chacune. Si vous avez des questions sur leurs propos, sur ce qu'elles présentent, je vous suggère de les formuler par écrit en utilisant l'outil des questions et réponses, QER, dans Zoom. Vous pouvez écrire dans la langue de votre choix, en français, en anglais ou en espagnol, et nous nous débrouillerons pour la traduction si nécessaire grâce à nos interprètes. Nous aurons le temps de prendre quelques questions à la fin des trois présentations des panélistes, tout ensemble. Nous commençons avec Pénélope Natacha Mavungu Pemba, qui est titulaire d'un doctorat en philosophie de l'Université Laval et de l'Institut catholique de Toulouse. Sa thèse de doctorat porte sur Alexis de Tocqueville et la problématique de l'égalité démocratique. Elle a réalisé son stage postdoctoral à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, et elle a travaillé sur les écrits de Marie Gérin-Lajoie, en scrutant spécialement sa vision du vivre ensemble selon la posture d'une éthique chrétienne et sociale. Écrivaine et diplômée en sciences politiques, Pénélope est aussi membre de la communauté de recherche sur les enjeux africains de la Faculté de théologie et des sciences religieuses de l'Université Laval. Parallèlement à ses études en France, Pénélope a suivi une formation sur les écrits de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à l'Institut d'études thérésiennes de Lisieux, dirigé par les Carmes de la province de Paris. Merci Florence. Ma conférence de ce matin est intitulée « Accueillir l'altérité avec Dina Bélanger, de l'amour de Dieu à la responsabilité pour autrui ». Merci à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux pour écouter une partie de la parole de Dina Bélanger, parce que, comme plusieurs visages de l'Église, Thérèse de Lisieux ou Marie Gérin-Lajoie par exemple, la pensée de Dina Bélanger est généreuse. Elle est généreuse parce qu'elle se trouve à la charnière de plusieurs disciplines. La preuve, ici, nous avons des spécialistes en musique, des spécialistes en théologie, des spécialistes en philosophie, en sociologie. Donc, cela montre que Dina, c'est une personne généreuse. Elle a beaucoup donné dans ses écrits. Depuis le mois de novembre, j'ai été sollicitée pour participer à ce panel
Et il m'a fallu, à l'intérieur des écrits de Dina, trouver une thématique. Une thématique qui non seulement me parle en tant que philosophe, mais une thématique surtout qui peut impacter le monde d'aujourd'hui. Une thématique qui peut aller à la rencontre de notre monde. Alors, ce qui m'a intéressée dans ce parcours, dans ce travail, dans cette recherche, c'était de constater qu'après sa mort, la pensée de Dina Bélanger continue de résonner, comme si elle avait écrit aujourd'hui pour nous. Pourquoi résonner? Eh bien, parce qu'il arrive souvent que l'on range les écrits d'une personne qui n'est pas de notre siècle dans un tiroir, en pensant, et souvent à tort, que ce qu'elle a écrit s'adressait aux gens de son époque. Lire Dina est donc devenu un défi pour moi, parce qu'il s'agit de faire comme si Dina nous parle aujourd'hui en tant que philosophe. Au départ, j'ai pensé à son engagement en tant que religieuse, puis au fil de ma lecture de son autobiographie, m'est venue à l'esprit la question de l'altérité, une question philosophique qui met en avant l'idée ou encore le rapport avec autrui. En effet, c'est de cela qu'il s'agit avec Dina, l'autre. Il y a le soi, il y a le moi, mais il y a l'autre aussi. L'autre, l'aimer comme le recommande Jésus, l'autre, le respecter comme le recommandent les droits humains universels, l'autre, prendre soin de lui comme peut le recommander notre cœur. À ce sujet, Dina écrit d'ailleurs, j'avais une horreur indicible de la critique, des jugements sur la conduite des autres. Dans mes pensées, j'ai attribué les meilleures intentions à tout le monde, que les actions fussent bonnes ou répréhensibles. Si la culpabilité paraissait évidente, j'ai trouvé des excuses. Dans mes paroles, j'ai vengé les absents, comme j'ai souffert quand j'ai été dans la nécessité de me taire. Si on les attaquait en ma présence, mon visage devenait sérieux. J'essayais, par mon silence, de désapprouver les propos médisants ou malins et j'épiais le moment favorable pour glisser un mot et détourner la conversation. Oui, j'ai été et je suis très sévère pour moi-même sur ce point de la charité fraternelle. Je tenais plus à la réputation d'autrui qu'à la mienne. Le problème de l'altérité est une des composantes essentielles des discours philosophiques contemporains. Il a certes toujours existé à travers l'histoire, mais avec les phénomènes de migration et d'interculturalité, il se pose de façon pointue dans la société actuelle. L'altérité, c'est le caractère de ce qui est autre. Nous existons, certes, dans une société déterminée, mais le fait d'exister nous fait toujours prendre conscience que nous ne sommes jamais seuls. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de l'altérité, il est toujours nécessaire de lui restituer sa charge éthique qui vise la notion de responsabilité pour autrui et qui va au-delà de la rencontre ou de la cohabitation, car elle ouvre toujours vers un engagement. Il s'agit donc ici de croiser le terme de l'altérité avec la pensée de Dina. C'est donc ce croisement qui sera l'objet de ma conférence qui se laisse guider par une question. Quels sont les lieux de l'énonciation de l'altérité chez Dina? Comment Dina Bélanger, donc ma première partie, comment Dina Bélanger fait-elle résonner le rapport à l'autre? Le concept d'altérité chez Dina est introduit par la rencontre avec l'autre, une éthique de la présence d'autrui. Par présence, on pourrait dire que chez Dina, c'est la rencontre ou la relation amorcée avec l'autre en tant qu'être humain, en tant qu'autrui, qui s'impose à moi sans artifice et qui me met en face de mes responsabilités. Cette attitude consiste à dire que la présence de l'autre m'engage et je dois l'assumer. Écoutons Dina. J'avais puisé plus d'énergie et d'oubli personnel dans la vie commune. J'avais été forcée en maintes occasions de sortir de moi-même. C'est là un défaut qu'une de mes maîtresses avait eu la bonté de me signaler dès les premiers mois de mon pensionnat, à savoir ne pas communiquer, ne jamais manifester au dehors mes impressions, mes désirs ou mes sentiments,
les garder tous pour moi, alors que, en les exprimant parfois, les autres pouvaient y trouver profit. Comme Dina l'écrit, la charité et l'attention à l'autre deviennent les lieux de l'énonciation de cette altérité-responsabilité, car dès le moment où je suis en face d'autrui, je sais ce que je dois faire et je sais que je ne dois attendre personne pour le faire, parce qu'à ce moment, je suis responsable de l'autre. Dina démontre d'ailleurs par ses actes et par son sens du sacrifice qu'aimer Jésus ne se conçoit pas sans aimer le prochain. Une altérité assumée au cœur de sa liberté individuelle. Une telle altérité ne tire sa vision que de la parole de Dieu, du grand commandement de l'amour. S'il y a Dieu, s'il y a Jésus, s'il y a Marie, il y a de l'amour. Et s'il y a l'amour, il y a autrui. La responsabilité commence donc avec Dina, avec l'arrivée de l'autre qui introduit dans la vie quotidienne la nécessité de prendre soin. C'est donc la présence de l'autre à côté de Dina, qui débouche sur la responsabilité. Donc, compte tenu du temps, je vais me limiter à trois lieux d'énonciation de l'altérité chez Dina. Il y a sa famille, ses amis et sa communauté religieuse. Donc, on commence par l'héritage familial. L'altérité chez Dina comporte les notions de l'amour envers Jésus et celle de la charité. S'il faut compter le nombre de fois que Dina utilise la notion de charité, on peut comprendre que c'est une notion qui non seulement a de l'importance pour elle, mais surtout qu'il s'agit d'une notion qui donne en partie sa vision de l'autre. Cette partie sur l'influence de sa famille est essentielle parce que sur le plan de la considération et de la responsabilité pour autrui, les parents de Dina ont été les premiers à lui apprendre le sens de l'autre et l'acceptation de la différence. Elle le dit en ces termes, « Toute ma vie, j'ai vu mes parents ouvrir leurs mains grandes pour secourir les pauvres, donner d'abondantes au monde à droite et à gauche, consolés par leurs paroles, et encourageante par des visites prolongées et multipliées par les soins les plus empressés. Leur bonheur a toujours été de donner dans le silence, dans le secret. Mes parents ne soupçonnent pas, eux, la valeur de leur abnégation pour tous et pour n'importe qui. Et de plus, ils oubliaient au fur et à mesure leurs bonnes œuvres, mais la main divine les a pesées. Deuxième lieu d'énonciation, le respect des amis. Excusez-moi. L'expérience de la rencontre avec d'autres jeunes filles, que ce soit à l'école ou plus précisément lors de son voyage à New York, confirme que cela ne va pas de soi pour tous de reconnaître l'autre, de lui donner sa place, de l'écouter, d'interagir ou encore, comme le fait Dina, de renoncer à ses plaisirs pour le bien de l'autre. Donc, l'altérité chez Dina, c'est il y a l'abnégation, il y a cette renonciation de ses plaisirs pour faire plaisir à l'autre. Donc, je ne vais pas lire parce que c'est un peu très long, mais lors de son voyage à New York, il se trouve qu'il y a peu de chambres. Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va céder sa chambre à une de ses amies pour pouvoir prendre une chambre à une autre pour le bien de l'autre. Donc, le troisième lieu de l'énonciation de l'altérité chez Dina, c'est la communauté religieuse. L'altérité ici, comme socle de la responsabilité pour autrui, à la manière de Dina se rencontre dans la manière de vivre avec les autres sœurs de sa congrégation. Déjà, le fait de choisir cette congrégation montre que Dina a un sens de l'autre. Parce que la mission de la congrégation de Jésus-Marie, c'est faire connaître et aimer Jésus et Marie par l'éducation, dans tous les milieux sociaux, avec la préférence aux jeunes et parmi ceux-ci aux pauvres. Donc, avec les autres, Dina perpétue une tradition qui se met au service de l'autre grâce à l'amour de Jésus et Marie. C'est une mission qui pousse vers l'autre, qui conduit à considérer l'autre et à l'aider pour sa promotion intégrale. Dina est membre de cette congrégation et même si elle est solitaire, ce qui est assez visible dans son autobiographie, l'altérité devient pour elle
en ce sens comme un lieu de mission, une possibilité d'aimer et de transcender ses propres désirs. Dina participe aux activités de la communauté car l'engagement communautaire qui trouve sa source en Jésus-Christ est inséparable de la considération pour autrui. En effet, Dieu croise toujours le chemin de l'homme, autrement que sous la figure de l'autre comme présence. Ainsi, la mission de la Congrégation des Sœurs de Jésus-Marie se réalise dans l'empreinte de la présence de l'autre. L'amour de Dieu se manifeste dans le témoignage lorsque devant ses consœurs ou ses élèves, Dina assume la responsabilité qui lui incombe, aimer, aider, écouter et enseigner. En somme, chez Dina, la présence de l'autre est la clé de la responsabilité pour autrui. Elle réalise ainsi le grand commandement qui invite à aimer son prochain. De ce fait, elle suggère implicitement, pour penser la relation à autrui, de revenir à Saint Jean qui dit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Mais voilà. Pour conclure, la question de l'altérité chez Dina est inépuisable parce que, comme je le disais au début, sa pensée est à la charnière de toutes les disciplines. Dina est généreuse. Donc, pour cela, mon souhait, c'est qu'en d'autres occasions, que soit pensé, par exemple, le rôle de la musique dans le rapport de Dina avec autrui, car il est incontestable que la musique, en tant que marqueur d'identité, manifeste aussi nos appartenances à telle ou telle autre réalité. D'ailleurs, Dina écrit « Ce travail musical me rapprochait du bon Dieu. Je lui offrais chacune des notes jouées comme autant d'actes d'amour parfait. » La trace de la spiritualité ignatienne aussi, au sein de la Congrégation des Sœurs de Jésus-Marie, est aussi à prendre en compte, car elle permet de présenter, permettez-moi ce pléonasme, une Dina active dans la contemplation et dans l'action. Je vous remercie de votre attention et toutes mes excuses si j'ai dépassé de quelques minutes. Merci. Merci beaucoup, Penelope Natacha Mavoukou-Pemba, pour cet éclairage philosophique sur Dina Bélanger. La parole est maintenant à la co-organisatrice Hélène Champagne, qui est professeure agrégée à la Faculté de théologie et de sciences religieuses et, depuis 2014, la titulaire de la chaire de leadership en enseignement en théologie spirituelle et spiritualité. Son enseignement et ses recherches portent sur l'expérience spirituelle contemporaine, en particulier chez les enfants et chez les personnes malades, selon une perspective existentielle et relationnelle. Hélène Champagne s'intéresse également aux sources spirituelles chrétiennes, par exemple aux grands spirituels ou aux mystiques chrétiens, et à la manière dont leurs écrits peuvent contribuer à éclairer et à interpréter l'expérience spirituelle contemporaine. Son approche de théologie pratique articule un dialogue critique entre passé et présent, de même qu'entre propositions théologiques et expérience. L'accompagnement spirituel des enfants, l'hospitalité, la souffrance et l'espérance comptent parmi ses principales thématiques de recherche. Ses publications récentes portent sur l'accompagnement spirituel en pédiatrie palliative, en même temps qu'elle puise chez les mystiques réno-flamands, autant que chez les mystiques chrétiens du XXe siècle. Alors bonjour. Nous entendons parler de Dina, une jeune fille d'ici, plus ou moins connue dans son milieu d'origine, on l'a dit. Et en même temps, peut-être ça dépend des réseaux, des origines. Voilà, donc certaines personnes m'ont dit que oui, ils la connaissaient un peu plus. Une femme musicienne, mystique, on l'a mentionné, nous célébrons son anniversaire de naissance, une femme audacieuse, talentueuse, captivée par Dieu. Est-ce que son autobiographie peut nous apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre au sujet de la vie spirituelle? Alors, je vais droit au but. En préparant cette communication, à la lecture de son autobiographie, quatre grands thèmes clés me sont apparus, un peu comme un parcours, un peu comme des repères de son cheminement spirituel, si je peux me permettre.
alors que pourtant, je ne suis que novice et je vous avoue d'emblée que ma lecture de Dina est très récente, alors je ne fais qu'ouvrir la porte. J'ai l'impression que je ne fais que balbutier quelques réflexions. Les quatre thématiques que je retiens sont celles-ci: désir, imitation, participation et abandon à Dieu. Alors, on va les voir plus en détail chacune. Je vais aussi prendre quelques minutes pour parler de la souffrance, qui est un thème qui me semble revenir très souvent chez vous. Alors, lire Dina Bélanger, quelques réflexions sur la méthode. Bon, c'est un réflexe du monde académique, mais je pense que c'est nécessaire. Quand on lit une biographie ou un journal, on a l'impression de partager un peu la vie intérieure de la personne qu'on lit. On est dans sa vie intime, finalement, puisqu'on lit ses réflexions. Donc, dans une sorte de sympathie, si on veut, on partage cette vie intérieure. Et un réflexe dont il faut être vigilant quand on fait de la théologie spirituelle, c'est justement de ne pas penser qu'on peut aller chercher cette expérience. On ne partage pas l'expérience. On partage l'interprétation de l'expérience. Ce qu'écrit Dina, c'est la façon dont elle comprend ce qu'elle a vécu. Quand elle raconte sa vie, quand elle raconte dans sa biographie les événements, les émotions, les sentiments, les réflexions qui l'ont traversée, elle fait sens de son parcours. Et c'est ça, donc, qu'on appelle son interprétation. Et alors, le lecteur a accès non pas directement ou immédiatement à l'expérience, mais il a accès à l'interprétation de l'expérience. Cette interprétation, elle me rejoint dans ma propre expérience. Elle fait écho, parfois plus vivement, parfois d'une façon plus neutre, parfois ça me rejoint, parfois ça me rebute. Alors ça, c'est mon expérience que j'interprète aussi. Et ce sont ces deux interprétations, au fond, qui sont en dialogue. L'interprétation de Dina, que je réinterprète à partir de ma propre expérience. Et c'est le travail qu'on appelle le travail d'herméneutique. Alors, certains vont se demander parfois, est-ce que l'herméneutique ne risque pas de tuer dans l'œuf, dans le fond, l'inspiration de Dina? Est-ce que cette distance qu'on cherche à prendre pour mieux s'en approcher, est-ce qu'elle est féconde? Je l'espère. En tout cas, c'est le travail qu'on cherche à réaliser. Alors, un premier thème, le désir. Je pense que c'est un thème qui traverse d'une façon vraiment transversale toute sa biographie, toute son autobiographie. Dès le début, Dina raconte l'enfance d'une petite fille qui m'a paru pleine de force, pleine d'énergie, pleine de vie, pleine de vitalité. Un grand désir l'anime et une solide volonté. Elle est douée, sensible, capable. Et avec l'aide de ses parents, elle apprend à ne pas trop céder à un égo fort et à focaliser ses énergies intérieures pour la joie de Dieu. Ce qu'elle cherche, c'est la joie de Dieu. Son désir, c'est la joie de Dieu. Par des petits gestes quotidiens, par l'apprentissage de la maîtrise de soi, maîtrise des sens et maîtrise intérieure, déjà toute jeune, elle veut contribuer solidairement et mystérieusement à l'action de Dieu dans le monde. Alors, j'entends des échos avec la conférence que vient de nous donner Pénélope. On avait souhaité justement pouvoir faire une présentation qui se réponde. Alors, son désir, je la cite, était d'utiliser les mérites et les moyens infinis que Jésus met à notre disposition, lui qui est notre Dieu, notre Rédempteur, notre Père. Dina voulait les utiliser pour les créatures du passé, du présent et de l'avenir, susceptibles d'en profiter. On va revenir sur cette dimension d'intercession, mais ses gestes, son action, son désir, hein, c'est de plaire à Dieu, de faire la joie de Dieu pour les autres. Selon cette formule de son époque, il semble que Dina se comprend comme active et pleinement participante au travail de Dieu pour qu'elle devienne un monde plus juste, meilleur. L'apôtre Saint Paul aborde cette question lorsqu'il évoque le travail des jardiniers dans le champ de Dieu. Je cite Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, « Entre celui qui plante et celui qui arrose, il n'y a pas de différence. Mais Dieu donne à chacun sa récompense selon son travail. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous êtes le champ de Dieu. » Nous travaillons ensemble au service de Dieu. Une autre traduction de la Bible toujours dit « Nous sommes coopérateurs de Dieu », toujours de la même épître aux Corinthiens. Dina exprime son grand désir de participer à l'œuvre de Dieu. Entre 21 et 24 ans, elle devient membre du tiers-ordre de Saint-Dominique. Je suis sensible à ça puisque je suis laïque dominicaine. Et la spiritualité de l'époque du tiers-ordre, ça s'est transformé aussi avec les années, mais à l'époque, on mettait beaucoup en valeur cette dimension d'intercession.
que l'on peut traduire comme le travail d'intervention, d'influence en faveur d'une autre personne. Alors, je vais intercéder pour que quelque chose puisse arriver. À l'époque de Dina et jusqu'à Vatican II, une certaine compréhension de la théologie du rachat, de la rédemption, montrait la croix, la souffrance et la mort du Christ comme une compensation pour le mal commis par les humains dans le monde. Cette théologie, dont les racines sont complexes, est toujours vivante, toujours active, mais particulièrement, disons, avant Vatican II, il me semble, on peut dire qu'elle comportait, dans la façon dont elle était exprimée, le risque de grossiers raccourcis. Et c'est un risque, ça ne veut pas dire que c'était systématique, au contraire. Mais les raccourcis feraient croire en un Dieu juge et comptable, assoiffé de souffrance afin de payer la dette du mal commis. Ce Dieu-là n'est pas le Dieu des chrétiens, même si plusieurs l'ont craint. Je m'attends quelques instants à la question de la souffrance parce qu'elle me semble essentielle pour aborder les écrits de Dina. Les spécialistes de Dina ont remarqué des parentés de sa spiritualité, je fais déjà un petit détour, avec les deux Thérèse, Thérèse d'Avila et Thérèse de Lisieux. Les parallèles entre la biographie de la petite Thérèse et celle de Dina sont assez apparents, même si les styles sont très différents. Alors, un texte du théologien et psychanalyste Denis Vasse m'a un peu éclairé au sujet d'envisager la souffrance chez Thérèse. Et j'imagine que cette réflexion-là pourrait aussi s'appliquer chez Dina. Alors, pour sa réflexion, Denis Vasse s'inspire de l'auteur philosophe que vous connaissez peut-être, Simone Weil, qui est contemporaine de Dina, justement. Alors, je cite Denis Vasse, et j'y vais un petit peu lentement, vous avez la citation à l'écrit. « Dieu ne connaît le mal que comme souffrance, comme la souffrance de celui qui aime et qui voit ceux qu'il aime, ne pas vivre de sa vie, mais dévivre, c'est-à-dire vivre de l'apparence de la vie. C'est à ce signe, vivre le mal comme souffrance, ce qu'il appelle la compassion, que l'on reconnaît les hommes qui vivent de l'annonce de la grâce et du pardon de Dieu. Ils ne connaissent le mal que comme souffrance. » En d'autres mots, pour des personnes qui cherchent à vivre avec un cœur pur, qui cherchent à vivre le moins possible en faisant le mal, en faisant le moins de mal possible, le mal est expérimenté comme une souffrance. Et la souffrance qu'on fait, ou la souffrance qu'on reçoit, ou la souffrance dont on est témoin, elle est portée comme compassion. Ce n'est pas un désir de souffrir, c'est un désir d'aimer, mais qui, dès qu'il rencontre le mal, se met à souffrir. Alors, la souffrance devient inévitable. Selon Simone Weil, le mal est contagieux. Quand nous sommes irrités, notre entourage nous irrite, ou nous irritons tout l'entourage. Au contact d'êtres, Denis Vasse dit parfaitement pur, il y a transmutation. Et le péché, le mal, devient souffrance. Au lieu de vouloir partager ce mal, cette irritation, l'irritation me fait mal. Et c'est ça, dans le fond, cette transmutation. Dans cette perspective, la souffrance n'est ni recherchée, ni valorisée. Elle est compassion, je l'ai dit tout à l'heure. Denis Vasse continue, « L'amour ne s'accomplit ni dans la souffrance, ni dans l'accusation des autres, ni dans la revendication de la victime. » L'amour, rien ne l'arrête. Il détache l'âme de tout le créé. Il en est l'origine et la fin. Il est le don et l'infini du désir. Alors, je pense que ces quelques réflexions peuvent nous aider à comprendre un petit peu plus Dina. Le temps passe vite. Je vais essayer de me restreindre. J'en suis seulement à mon deuxième point et je vois déjà Florence se lever. Dina disait dans son autobiographie, « Mes souffrances... » Elle raconte un dialogue qu'elle a eu avec le Christ dans sa prière. Et la façon dont elle le raconte, donc ce dialogue, elle est en présence de l'enfant Jésus. Et l'enfant lui dit, « Mes souffrances ont une valeur infinie. Que valent les tiennes ?» Et Jésus lui répond, elle répond à Jésus, « Les miennes, je les unis aux vôtres, ainsi ma pauvreté est couverte par vos mérites infinis. » Je me rends compte que j'ai pris beaucoup plus de temps que prévu. Je vais essayer d'y aller très rapidement, mais je voulais quand même aborder quelques points importants. La perfection dans l'imitation. Donc, une deuxième
dimension, un deuxième dynamisme que je vois très présent chez Dina, c'est ce désir d'imitation et de perfection. On l'a entendu chez une des religieuses qui disait cette devise, hein, ce que tu commences, commence-le parfaitement. Dina, je pense, le portait d'une façon très intense. Et ce chemin de perfection, bien, elle l'a pris vraiment au sérieux. Et cette perfection, elle voulait la vivre dans cette imitation du Christ. Alors, on pourrait explorer justement dans l'histoire de la spiritualité ou dans les influences de l'époque de Dina, quel pouvait avoir été l'impact d'un livre comme L'Imitation de Jésus-Christ. C'était un livre de chevet de bien des générations et des gens de plusieurs époques. Alors, cette imitation du Christ, comment se laisser vivre le Christ en soi de sorte qu'on est presque transposé par le Christ. La formule est imparfaite, je sors de mes notes, vous l'avez vu. Cette manière de laisser vivre le Christ en soi, Dina, très rapidement, le vit dans cette formulation de participation au cœur eucharistique. Alors, je découvre avec beaucoup d'intérêt aussi que le cœur eucharistique était une dévotion qui était très courante, très populaire, très répandue au Québec du début du 20e siècle. Alors, il y a encore beaucoup de choses à découvrir et à approfondir de ce côté-là. Donc, la dévotion au Sacré-Cœur remonte au 17e siècle. C'est une dévotion connue, en particulier dans le monde francophone, répandue ici. Mais la dévotion au cœur eucharistique est quand même un peu plus spécifique. Et là, il y aurait des recherches à faire. Donc, il y a comme une participation, une intimité étroite avec le cœur du Christ qui se donne dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le Christ donné, sa vie donnée pour le salut du monde. Dernier point rapide, l'oblation, le don de soi, justement, on est en lien avec le Christ eucharistique. Donc, l'abandon à Dieu, de sorte que Dieu puisse vraiment la transformer en Dieu, hein, et cette participation à la Trinité. Donc, on est dans des thèmes vraiment sérieux, on pourrait dire, en théologie, aussi en vie spirituelle. C'est pour ça que la lecture demande peut-être des lectures complémentaires, de l'approfondissement, ce que je tente de faire trop rapidement avec vous. Une citation que je trouve magnifique sur l'abandon, « Pour devenir abîme, abîme, donc cet espace infini que Dieu peut habiter, hein, ou est-ce qui est ouvert, qui est accueillant à la vie de Dieu, pour devenir un abîme capable d'être envahi par l'infini, il faut d'abord, dans le domaine spirituel, l'anéantissement absolu de l'être humain. Ensuite, la substitution de Jésus en cet être humain et l'abandon parfait et continuel de l'âme à la volonté du divin agissant. » On est dans des termes vraiment radicaux, vraiment entiers, qui sonnent un peu étranges peut-être aujourd'hui, parce que se laisser complètement anéantir pour que Dieu prenne la place, on n'entend pas ça très souvent dans notre quotidien. Mais ce n'est pas une destruction de soi. Il faut le comprendre comme laisser la place et se laisser traverser par Dieu, que ce soit Dieu qui nous inspire, qui nous fasse vivre de son amour de Dieu. Alors, on n'est pas dans cette destruction et c'est important de le comprendre de cette façon-là. Je conclue, le parcours de Dina est riche et unique. Bien sûr, le chemin qu'elle a emprunté est un chemin escarpé, peu fréquenté. Les risques d'illusion y sont nombreux et elle-même le savait, on le dit, à un endroit ou l'autre, ainsi que les embûches, évidemment. Mais je pense que cette femme-là est allée au bout. Elle a été radicale dans cette théologie, dans cette vie spirituelle, dans sa spiritualité. Elle est allée au bout de ce que cette théologie-là pouvait lui offrir, il me semble. Et même, elle l'a dépassée puisqu'elle n'en est pas, elle n'y est pas enfermée. Elle la vit d'une façon très personnelle aussi. Donc, c'est vraiment l'esprit qui l'habite. Il faut beaucoup de finesse et de discernement pour bien saisir avec quelle patience et persévérance elle-même a dû se vivre en constante écoute du travail de l'esprit en elle. Hein, les embûches sont très, très grandes. De sa vie, je retiens le désir du don d'elle-même, le désir infini de Dieu, à son premier amour, le don à son amour. Dina n'a finalement réalisé rien d'extraordinaire, sinon sa vie ordinaire, on pourrait dire ça de cette façon. Les théologies et les spiritualités contemporaines portent aujourd'hui beaucoup d'attention à notre quotidien, à ce qui nous entoure, aux signes des temps, pourrait-on dire. Hein? Et je ne vois pas ça aussi suffisamment que je l'aurais souhaité, peut-être, ce sont mes attentes contemporaines en lisant Dina. Mais je pense que Pénélope nous invite justement à relire cela, à relire son texte plusieurs fois pour découvrir comment, en réalité, les autres sont très présents chez Dina et dans son quotidien.
Elle nous rappelle que nos solidarités dépassent les limites de nos actions humaines, puisque ces solidarités-là se vivent en Dieu. Alors, je la laisse conclure. Mon Dieu, je ne sais plus comment vous dire mon amour. Je voudrais toutes les symphonies du silence, toute la poésie de la souffrance inconnue pour chanter que je vous aime. Je voudrais l'éloquence de tous les martyrs et la simplicité du néant pour moduler mon hymne de reconnaissance. Je vous remercie. Avant de passer à notre dernière panéliste, je vais juste vous rappeler que vous pouvez nous poser des questions en français, en anglais ou en espagnol en utilisant l'outil QR, questions et réponses dans Zoom. N'hésitez pas à les envoyer et nous les prendrons d'ici quelques instants. Finalement, pour compléter nos perspectives sur Dina Bélanger, nous écoutons Sandria Bouliane, qui est professeure adjointe de musicologie à la faculté de musique de l'Université Laval depuis 2019. Elle est membre régulière de l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique à l'Université Laval, est membre régulière du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise. En mettant l'accent sur diverses formes d'emprunt et de transfert culturel entre les industries musicales canadiennes et états-uniennes, elle s'intéresse à l'histoire de la médiation de la musique, au processus de recréation à travers la traduction et l'adaptation de chansons et à l'étude de la réception critique des musiques populaires durant l'entre-deux-guerres. Sandria Bouliane est la chercheuse principale du projet La vie musicale au Québec pour un décloisonnement de l'histoire. Elle s'est entourée d'une équipe interdisciplinaire afin de faciliter l'intégration d'un ensemble diversifié de pratiques musicales où les contributions des femmes, des classes ouvrières et des communautés autochtones ou associées à diverses diasporas sont mieux représentées. Les mêmes préoccupations orientent ses cours d'histoire de la musique au Québec et d'histoire de la musique classique à la faculté de musique. Elle est rédactrice en chef de la revue L'Écouteur, vice-présidente et responsable des comptes rendus en français pour la revue Musique Culture. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Merci aussi à l'invitation qui m'a été faite de me trouver parmi vous aujourd'hui pour parler de Dina Bélanger sous un autre angle, donc de celui de la perspective d'une musicologue spécialisée dans l'histoire de la musique au Québec de la première moitié du 20e siècle, mais qui s'est très peu penchée sur ce qui se passait côté musique dans les communautés religieuses au Québec. Alors, c'est pour moi une excellente découverte que j'ai été amenée à faire depuis les dernières semaines, derniers mois. Alors, ce que je vous présente, c'est vraiment l'étape embryonnaire de recherche que j'espère pouvoir développer davantage par la suite. Si les musiciennes et les compositrices des années 20 et des années 1910 et 20, pardon, au Québec semblent avoir laissé peu de traces, c'est que leur parcours semé d'embûches viennent brouiller les pistes. Des changements de patronyme et des carrières écourtées par le mariage en sont deux exemples. La difficulté à se faire publier et le peu d'estime accordée par l'histoire de la musique à l'enseignement instrumental placent aussi les femmes du côté de l'oubli. Enfin, il y a l'œuvre ignorée ou peu connue de toutes celles qui sont restées loin des projecteurs, celles dont la musique prenait vie dans l'espace privé de leur foyer, de leur paroisse ou de leur communauté religieuse. Étudier la part musicale de la vie de Dina Bélanger, c'est découvrir un monde à la fois solide et fragile, virtuose et intime. Dina Bélanger émerveille en jouant Saint-Saëns et Liszt, alors qu'elle limite ses concerts aux œuvres de charité de sa région. Elle est première de classe d'harmonie au Conservatoire de New York, alors qu'elle se consacre à la composition de pièces propices au recueillement. Cette présentation suit le parcours musical remarquable et méconnu de Dina Bélanger et permet de souligner l'importance des couvents dans la formation musicale des jeunes filles et de contribuer à la valorisation de l'héritage des femmes à l'histoire de la musique au Québec. Que nous raconte l'autobiographie de Dina à propos de la place de la musique dans la vie et son milieu? C'est par le truchement d'une sélection de passages de cette autobiographie, complétée par une recherche effectuée dans une variété de sources historiques, que s'est élaborée l'ébauche de ce récit que je soumets aujourd'hui à votre attention. La première étape de ma recherche s'est effectuée dans des sources secondes, dont une liste de noms apparaît ici, des historiens, historiennes et musicologues. Ma lecture de l'autobiographie s'est ensuite enrichie de diverses sources premières, telles que des lettres, documents d'archives, témoignages, écrits et entrevues filmées qui m'ont été partagées par le Centre Dina Bélanger. Je souhaite pour cela remercier Louis-Martin Lantier et Sœur Lourdes Vargas-Garcia. Ces sources ont par la suite dicté la recherche que j'ai menée dans la presse et les journaux du Québec et de New York pour m'aider à tisser entre eux quelques fils de ce récit de vie.
Enfin unique d'une famille plus favorisée que la moyenne, Dina est initiée très tôt à la musique. D'abord par sa mère, qui chante quotidiennement dans la maison, puis en s'assoyant au jubé près de l'orgue lors des assemblées des dames de la Sainte Famille. Dotée d'une intelligence vive, Dina se démarque par son obéissance et sa rapidité d'apprentissage de la lecture puis de la musique. Une formation musicale plus formelle lui est offerte à domicile à compter de l'âge de 8 ans, avec une enseignante privée que je n'ai pas encore pu retracer ou identifier. À cette étape, le parcours de Dina est typique de la formation que reçoivent maintes jeunes filles à travers la province. Si plusieurs couvents de niveau primaire offrent en supplément les bases de l'art musical, les enseignants et enseignantes privées sont très nombreux en favorisant le chant, le piano et le violon. En 1908, Dina aura obtenu un diplôme de piano de classe intermédiaire, mais il n'a pas été possible de déterminer qui lui a décerné ce diplôme. En 1909, elle quitte le couvent Saint-Roch pour rejoindre les classes de l'Académie du nouveau couvent Jacques-Cartier, situé tout près. C'est à cet endroit qu'elle poursuit ses leçons de piano et de solfège avec Sœur Sainte-Aimée jusqu'en 1912. Le 11 juillet 1910, le nom de la jeune fille apparaît dans le Montreal Star. Le quotidien fait paraître un article qui dresse la liste de toutes les candidates de la province ayant obtenu un diplôme décerné par le Dominion College of Music. Dans le district de Québec et des environs, Dina Bélanger apparaît dans la liste des 42 filles ou femmes ayant obtenu le grade intermédiaire pour le pianoforte playing. Fondée à Montréal en 1894 et affiliée à l'Université Bishop de Sherbrooke, ce collège a pour mission de faire passer des examens pratiques et théoriques dans plusieurs classes et couvents de la province. En septembre 1911, alors âgée de 14 ans, Dina fait son entrée au pensionnat de Bellevue, aussi dirigé par les religieuses de la Congrégation de Notre-Dame. C'est à partir de ce moment qu'elle reçoit le soutien et les encouragements du père Omer Cloutier, bientôt Monseigneur Cloutier, pour poursuivre ses cours de piano. Dina s'investit sérieusement et avec ardeur et passion dans ses études pianistiques. Elle obtiendrait en 1913 son diplôme de classe supérieure, suivi du diplôme de lauréat en juin de la même année. On lui aurait ensuite décerné un diplôme d'enseignement en 1914. Cette fois encore, il n'a pas été possible d'identifier l'institut responsable de ces diplômes, mais il est fort possible que ce soit l'Académie de musique du Québec, basée à Québec depuis sa fondation en 1868. L'Académie cherche à centraliser l'enseignement des disciplines instrumentales, vocales et théoriques en décernant des diplômes répartis sur environ 10 niveaux. Dans tous les cas, ces marques de reconnaissance témoignent du fait qu'elle est apte à suivre la voie d'une professionnalisation sérieuse. C'est vers la fin de 1915 que la poursuite des études pianistiques de Dina devient une entreprise encore plus importante. Monseigneur Cloutier et Joseph-Arthur Bernier recommandent à ses parents de lui accorder 2 années d'études à l'étranger. Bernier est un pianiste, compositeur et organiste de grande réputation. Tout au long des années 1910, il fait plusieurs tournées et inaugurations d'orgues au Québec, en Ontario et aux États-Unis. Cet ex-président de l'Académie de musique rencontre Dina alors qu'il est organiste de la paroisse Notre-Dame de Jacques-Cartier. Il l'accueillera éventuellement dans sa classe de piano. L'école choisie est l'Institute for Musical Art de New York, future Juilliard School of Music. Monseigneur Cloutier connaissait l'institution ainsi que la pension des religieuses de Jésus-Marie, Our Lady of Peace, où va résider Dina Bélanger durant ses 2 années d'études. Cette nouvelle résidence pour femmes ouvre ses portes en 1910 sur la 14e rue Est à New York. Les 170 chambres sont destinées à l'accueil de femmes de profession littéraire, des enseignantes retraitées, des sténographes ou des étudiantes. Le bâtiment offre également une bibliothèque, une salle de musique, un jardin sur le toit, une école de musique et même des leçons de français en privé. Voici 2 images, dont la chapelle que Dina aimait saluer en quittant et en entrant le bâtiment. L'Institut d'art musical de New York est pour sa part situé au coin de la 122e rue et Broadway, soit près de 10 km au nord du pensionnat. Les élèves s'y rendent 2 à 3 fois par semaine selon leur horaire de cours en autobus. L'Institut est fondé en 1905 par le chef de chœur et professeur de chant Frank Damrosch. Celui-ci fait rapidement connaître son institution aux États-Unis et au Canada par l'entremise de conférences et de journaux. Par exemple, en 1910, il se rend à Ottawa pour donner une conférence à la Women's Christian Association, où il vante les mérites de l'opéra et d'un True Musical Education.
En 1911 et 1912, les publicités de son institution dans les journaux canadiens font la promotion d'une formation musicale de haut niveau. Dina quitte donc Québec en direction de Manhattan, accompagnée de deux autres Canadiennes françaises. Aline Marquis, de 4 ans son aînée, rencontrée quelquefois dans les cercles musicaux, découvre la capitale en même temps que Dina. Marie et Marguerite Juliette Aline est la fille du riche industriel François Canac, marquis de Saint-Malo, tel qu'il est présenté dans le journal. Et Aline Marquis se donnera à Dieu à son retour en 1918 et devient mère Saint-Frédéric-Marie en recevant les habits de la congrégation de Notre-Dame. La troisième voyageuse est Bernadette Letourneau, que Dina connaissait pour avoir été compagne de concert pendant un an. À l'automne 1916, Bernadette entreprenait sa deuxième année de formation à New York. Dina et elle partageront la même chambre et deviendront des amies véritables. Bernadette rejoindra la congrégation Jésus-Marie le même jour que Dina en recevant le nom de Sœur Marie-Saint-Omer de Luxeuil. Dina passe au total 470 jours à New York. De 1916 à 1918, son séjour s'étend du mois de septembre au mois de juin, entrecoupé par des vacances de Noël passées à la maison auprès de la famille. Cette jeune femme enthousiaste et passionnée de l'art du beau se rend à New York et est prête à rencontrer tous les défis. Je la cite, « Il fallait parler anglais, écouter, comprendre, étudier en anglais. C'était amusant, surtout au début. Heureusement que les pianos possèdent la même sonorité dans les différents pays, bien que le nom des notes suive le caprice linguistique. » Durant son absence, Dina aurait envoyé 280 lettres et cartes postales à ses parents qui, selon Gautier, surprennent par la quantité d'anecdotes et leur degré de précision à propos de ses cours et professeurs, des musées et magasins, des églises et des concerts. C'est ainsi que nous pouvons savoir qu'à l'automne 1916, Dina écrit à ses parents tout de suite après le concert du pianiste Paderewski présenté à 3 heures de l'après-midi. Je la cite, « Ça vaut la peine de partir de Québec pour entendre cet artiste-là. Il passe actuellement pour le premier dans le monde. Il joue à 8 pièces en rappel, parmi lesquelles la deuxième rhapsodie de Liszt, pièce que Dina va elle-même interpréter. La foule était en délire. La grande salle du Carnegie remplie. Non, 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 vous ne savez pas comme c'est beau d'être à New York. Dina profite des jouissances artistiques qui lui sont accessibles tout en étant, je la cite, d'une prudence sévère pour assister au concert ou à quelques séances. À la citation. Au contact de cette vie tumultueuse, la jeune femme développe son esprit d'observation et son imagination grâce au contact de gens de toutes nationalités. Au printemps 1918, avant de partir et de revenir à Québec avec tout ce bagage de connaissances et d'expériences que peut offrir un aussi long séjour à l'étranger, son père la rejoint pour lui offrir un piano en guise de cadeau de fin d'études. C'est un piano à queue brun de marque Nable, l'un des facteurs américains les plus raffinés de l'époque. La période juste avant et juste après les études à New York sont marquées par plusieurs concerts présentés devant le public, le plus souvent dans le contexte d'événements caritatifs parrainés par des paroisses de la région de Québec. Dans son autobiographie, Dina affiche clairement sa difficulté de suivre, je cite, « le chemin de l'art musical » à titre de pianiste de concert. Dina préfère pratiquer le piano en privé, jouer un répertoire de son goût et d'en faire un temps de méditation. Pour Dina, jouer devant un auditoire, c'est donc être, et je la cite, « forcée de paraître dans le monde », même si chaque fois les fleurs et les applaudissements sont au rendez-vous. Elle écrit n'avoir, et je cite, « ni le souffle de l'improvisation, ni le don de l'accompagnement ». Fin de la citation. C'est donc avec modestie et par devoir qu'elle répond aux demandes de ses parents, des invités de la maison et des curés de paroisse de jouer pour eux. Je cite ici Mme Dombrowski dans une lettre témoignage envoyée en 1933. Alors, nous allions souvent chez elle et je me rappelle que nous aimions particulièrement une pièce de musique qu'elle jouait intitulée Rhapsodie d'Auvergne. Alors, à chaque visite, nous lui demandions de l'interpréter. C'est une pièce assez longue et par des jours de chaleur, ça devait être bien fatigant de toujours se prêter à notre même caprice. Mais c'est avec son beau sourire et sans le plus léger signe de patience qu'elle se rendait à notre désir aussi que nous l'aimions beaucoup. Donc, cette pièce de Camille Saint-Saëns, c'est une pièce d'environ 10 minutes et qui fera partie vraiment d'un répertoire assez complexe. Voici aussi une liste d'autres pièces qui auraient été interprétées par Dina dans différents concerts. Les concerts auxquels participe Dina se font aussi discrets qu'elle, du moins pour ce qui est des traces qui sont accessibles sur le web. Cette présence s'explique aussi par le fait que les annonces et les programmes ou paroissiaux sont le plus souvent diffusés à travers les bulletins paroissiaux. Ces feuilles volantes renferment tout ce qu'un bon citoyen devait connaître à propos des activités de sa paroisse.
vouée à une vie éphémère. Ces documents ne sont toutefois pas encore rassemblés dans une collection d'archives disponible en ligne. Je n'ai trouvé que deux concerts à partir des journaux. Un premier donné une année avant son départ à New York, alors qu'elle était l'élève de Joseph Arthur Bernier. Alice Marquis fait aussi partie de l'événement qui se déroule dans le magasin de piano de Cyril Robitaille. Un deuxième concert a lieu en janvier 1919. L'événement en question se déroule au Collège de Beauport le 20 janvier à 8 heures du soir au bénéfice de l'église de cette paroisse. Le concert est annoncé au moins 5 fois dans le soleil en prenant soin de préciser la présence de Dina Bélanger, élève du Conservatoire de New York, avec le généreux concours des messieurs Alfred Poulin et Joseph Arthur Savard. Et d'un piano aussi généreusement fourni par la maison Cyril Bélanger. Donc, la promotion de ce concert apparaît encore une fois comme une occasion de faire une occasion d'affaires pour le marchand de piano, qui est aussi un fidèle paroissien de la rue Saint-Joseph. Or, ce n'était toutefois pas la voie musicale que Dina souhaitait suivre. Dina Bélanger fait ses débuts à titre d'enseignante de piano à l'été 1920. C'est toutefois en 1921, alors qu'elle se prépare pour son noviciat, que la Congrégation Jésus-Marie lui confie quelques élèves de piano. Cette étape marque officiellement ses débuts dans l'emploi. Elle aime chacune de ses élèves et celle-ci lui voue une grande admiration et un profond respect. Trop tôt, hélas, ses leçons vont s'entrecouper par la maladie qui devient plus sérieuse à compter du mois d'août 1923. Chaque fois que sa tante le permet, elle reprend le travail depuis Sillery ou Saint-Michel de Bellechasse. Pianiste de concert et enseignante de piano sont des professions ayant en commun l'obligation d'être le centre d'attention, de s'exposer en public ou d'être en relation avec les autres. Et que Dina Bélanger excellait dans chacun de ses rôles, une troisième discipline musicale rencontrait peut-être mieux sa recherche de solitude, d'introspection et de création spirituelle. Dès le moment où elle se prépare à son entrée à l'Institut de New York, Dina entreprend l'étude de l'harmonie et raconte, et je cite, « Dès la première leçon, j'ai senti un attrait spécial pour cette branche de la musique. » À l'Institut musical de New York, Dina ne ménage pas ses efforts et reçoit les compliments de son professeur d'harmonie. Plus encore, les 3 années suivant son retour à Québec, elle suit des cours d'harmonie de l'École de New York en formation à distance, qui l'oblige, à son grand bonheur, de composer chaque semaine. Dina raconte, et je cite, « Il y avait tant d'idées, il me semblait dans ma tête, et j'aimais les confier aux notes et aux accords. » J'adore cette citation. Bien que Dina ait qualifié ses compositions musicales, et je la cite, « de nulles du point de vue artistique », les témoignages rassemblés au lendemain du décès de Dina les présentent sous un autre jour. Sœur Marie-Saint-Antoine de Padoue, directrice du pensionnat de Sillery, note qu'elle a préparé plusieurs compositions musicales pour les fêtes du noviciat, des chansons, des cantiques, des sénettes, et qu'au fil des saisons, son talent pour la composition lui fournit l'occasion de rendre bien des services à sa communauté. Sœur Marie-Saint-Élisabeth mentionne pour sa part que Dina composait parfois des chansons pour taquiner ou recréer les religieuses et qu'elle aurait composé 7 cantiques de reconnaissance au cœur eucharistique. Enfin, Bernadette, devenue sœur Marie-Saint-Omer de Luxeuil, affirme que ses travaux par correspondance, et je cite, « jaillirent plusieurs compositions de valeur pour piano, qu'elle copia de sa main pour les offrir à ses parents. » Fin de citation. Cependant, si après la mort de ses parents, le volume de ses compositions musicales a été donné aux sœurs de Jésus-Marie, celui-ci disparaît avec l'incendie qui ravage le couvent de Sillery en 1983, et nous avons aujourd'hui 3 pièces pour piano auxquelles nous avons accès. En conclusion, j'aurais voulu raconter comment la femme de Lord Dufresne décrit en 1872 son ravissement devant 12 boîtes en verre contenant chacune un piano pour les élèves du couvent Jésus-Marie de Sillery. J'aurais aimé vous parler des 45 compositrices religieuses répertoriées par Claire Homme qui auraient à elles seules produit 700 partitions musicales destinées au culte, aux fêtes et à la formation pédagogique entre 1918 et 1939 seulement. J'aurais aussi aimé vous présenter les œuvres du répertoire classique européen qu'aimait jouer Dina Bélanger. D'autres occasions se présenteront, car sœur Sainte-Cécile de Rome n'a pas terminé de faire chanter et de faire résonner les pianos. À la messe de ses funérailles, c'est son amie pianiste, organiste et compositrice Mère Saint-Omer de Luxeuil qui compose un cantique pour lui rendre hommage. En 1984, au lendemain de l'incendie au Collège Jésus-Marie, on inaugure une salle de spectacle qui porte son nom et qui accueille chaque année des dizaines d'élèves en musique. Un album de musique lui est consacré en 1997 et présente 3 de ses compositions et d'autres inspirées par elle. En 2008, elle est la vedette d'une comédie musicale composée par Louis-Martin Lantier et mise en scène par Bruno Marquis. Aujourd'hui encore, en 2022, elle nous aura incité à nous pencher sur l'histoire des femmes dans la vie musicale à Québec et au Québec. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup pour cette contribution qui nous montre une fois de plus qu'il reste un immense travail à faire pour explorer la figure de Dinah Bellanger. Et j'ai beaucoup aimé cette citation qui disait que la musique est universelle, il n'y a pas besoin de traduire les notes. Et ça, c'est vrai, ça peut rejoindre des gens un peu partout. Je pense que nous arrivons au terme de cet événement. Donc, si nous devions garder seulement quelques points en conclusion, je dirais qu'il reste tellement de pistes de recherche à explorer, de thèmes. Il sera très important de bien comprendre le contexte historique québécois, catholique, dans lequel elle s'inscrit, et ceci pour mieux comprendre ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on arrive à l'extraire complètement de son contexte. Ça va être très important d'avoir des recherches avec des perspectives interdisciplinaires sur l'histoire de la musique, l'histoire sociale, l'histoire des femmes et bien évidemment la théologie pour mieux comprendre l'essence de sa transmission, de ses écrits. Donc, beaucoup de matière, et j'ai vu quelques commentaires aussi passer. Oui, bien sûr, si vous avez envie de vous lancer dans un travail de recherche, un mémoire, une thèse, vraiment, il y a matière à défricher. Alors, il nous reste à remercier l'équipe technique du CSTIP de l'Université Laval pour leur soutien technologique. En particulier, nous remercions Émilie Cassista, Mario Gervais et Ali Ouzounou, ainsi que le bureau des événements du campus. Nous remercions l'équipe administrative qui a veillé à la mise en ligne de tout le matériel sur Brio et à la gestion des inscriptions. Merci à Nancy Schenk aussi pour son assistance à la gestion en salle aujourd'hui. Merci à nos interprètes vers l'anglais et l'espagnol, Claudette Lemire, Judith Pereira, José Terrien, ainsi que Sœur Lourdes Vargas. Merci à la Faculté de théologie de sciences religieuses et en particulier à la chaire en théologie spirituelle et spiritualité. Merci à la chaire Claire Bonenfant pour son appui à la diffusion. Nous disons aussi notre gratitude au Centre Dinah Bellanger et à son directeur, Louis-Martin Lantier, pour la co-organisation, ainsi, à nouveau, Sœur Lourdes Vargas qui a aussi assisté à tout ceci et qui a préparé les entretiens avec les religieuses de Jésus-Marie. Merci à elle aussi. Merci à Hélène Champagne, à Pénélope Natacha Mavungu-Pemba et à Sandria Bouliane pour leurs interventions fascinantes et très riches. Enfin, merci à vous tous et toutes qui nous avez rejoints de près ou de loin pour écouter Dinah Bellanger et voir en quoi elle, sa vie et son œuvre peuvent être une inspiration pour nous aujourd'hui.